C'est vrai que tu t'es fait connaître hyper rapidement, enfin, depuis en gros la belle mort, sauf si des conneries quoi. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, tout simplement, qu'est-ce que ça te fait maintenant là, d'arriver, de faire l'affiche des Utop et qu'est-ce que ça représente un peu pour toi les Utop? Est-ce que c'était un truc que tu connaissais avant, que tu fréquentais, ou c'est totalement nouveau? Comment ça s'est fait un petit peu? Alors en fait, les Utopiales, c'est ma troisième fois. Et j'ai découvert la première fois en 2011 parce que justement la belle mort avait été. Avait été sélectionné pour le prix Utopial. Et en fait, c'est un salon c'est un salon que j'ai adoré dès la première minute, quoi. Enfin, je trouve que c'est une proposition assez unique, extrêmement intéressante, qui change, au regard de ce qu'il y a dans les salons BD, qui change énormément de la proposition simple de dédicace avec des conférences, avec des gens qui viennent d'horizons très très variés. Donc c'est clairement mon salon préféré, celui que je préfère faire. Donc déjà, c'était bien parti quand ils m'ont proposé l'affiche. C'était assez intimidant dans la mesure où il y a quand même des auteurs extrêmement prestigieux qui étaient passés derrière. Enfin, en l'occurrence, il y avait quand même 20 autres affiches qui avaient été faites. Donc j'ai accepté tout de suite, mais avec un peu la boule au ventre. Et c'est un sacré honneur parce que qui dit affiche dit expo. Et enfin, avoir une expo comme ça qui consacre un peu le travail que tu fais, alors que finalement t'as sorti 3 albums et que je suis encore un jeune auteur, quoi. C'est vraiment fou, c'est vraiment super impressionnant. Ouais, donc c'est une fierté, quoi, du coup aussi. Oui, bien sûr, ouais. Puis oui, effectivement, là l'expo est vraiment en plus immense. T'as à la fois des dessins esquissés, à la fois des dessins terminés, etc. C'est vraiment... très très influencé par Miyazaki et puis de manière plus générale les animés japonais, à savoir des personnages assez simples dans des décors qui sont souvent peints à la gouache ou à l'aquarelle. Et ça m'intéresse, enfin moi je vis une immersion quand je suis dans ces univers là que j'essaye de reproduire en bande dessinée. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de détails, que j'essaye de rendre les décors le plus vivant possible, avec des petits éléments qui donnent de la crédibilité. Et voilà, c'est clairement l'immersion qui est un peu le vecteur de tout ce que je fais, quels que soient d'ailleurs les paysages que je vais montrer. Hein. Il y a beaucoup de documentation quand même avant, c'est-à-dire que justement, pour que les paysages soient riches, il faut que les détails soient crédibles. Pour pouvoir, là en l'occurrence, et c'est facile avec l'affiche des Utopiales, avoir des vues du château, de la tour de Bretagne, avoir des vues de ce qui se fait sur les villes futuristes, les rizières. Et voilà, il faut s'imprégner de ça avant de pouvoir le restituer de manière assez crédible. Donc je pars de cette étape là pour ensuite aller vers des croquis. Il y a aussi une phase de croquis, on voit dans l'expo l'affiche des Utopiales, il y a une toute petite un petit A5 là qui représente le dessin, où là je pose les grandes masses, c'est à dire la composition, c'est quel point de vue j'adopte pour cette illustration là. Ce moment là est tout le temps associé à la pose des points de fuite, parce que moi ça c'est un peu ma spécialité. Et effectivement c'est souvent des perspectives à trois points de fuite et quand j'ai ça, je peux le reproduire ensuite sur un grand format et là rentrer dans les détails et avoir un peu ce travail de moine copiste. On s'en est à peine rendu, ouais. Je
savais que je partais sur une adaptation, c'est-à-dire que mon personnage principal n'appartient pas à la mythologie grecque, et je voulais pas faire une réécriture dans le texte d'un mythe déjà existant, mais je voulais que le monde qui, justement, toujours dans cette histoire d'avoir un monde cohérent, que le monde qui entoure le personnage soit crédible et donc... documenté. Ouais, voilà, et donc le plus documenté possible, effectivement. Et en l'occurrence, le sanglier, c'est de l'easter egg, quoi. Alors il y a un lexique à la fin qui permet de voir que, ah oui, bah j'avais pas remarqué, mais en fait ça appartient à la mythologie. Mais c'est vraiment proposer un environnement crédible où les dieux, les héros et les créatures existent et font leur vie, quoi. Vraiment, et je pense que c'est important, cette notion de ils font leur vie en dehors de la quête du héros. Le jeu vidéo est une de mes grosses sources d'inspiration, et d'ailleurs dans Adrastée ça se voit particulièrement, parce que c'est presque plus Shadow of the Colossus, Journey et Ico qui m'ont influencé que réellement les histoires de la mythologie grecque. Voilà, c'est effectivement quelque chose que je transpose à la bande dessinée. Oui, t'as même des plans qui sont repris même de Shadow of the Colossus, quand le héros se blade entre les ruines, etc. C'est une grosse inspiration. Ouais, ouais, complètement. Alors il y a plusieurs choses. Alors par exemple, moi je suis déjà en train de bosser sur les différents projets. Je sais que j'ai un projet de fantasy aussi, donc bon voilà, je passerai à autre chose. Le truc c'est que là, depuis le début de l'écriture Shangri-La et là avec Carbone et Silicium, moi de manière générale je pose mes questionnements avec les scénarios. C'est des trucs que j'ai besoin de sortir de moi, quoi. C'est un peu les angoisses du moment, et en l'occurrence les angoisses aujourd'hui elles sont vachement liées à notre société, à notre mode de, notre mode de vie, à notre mode de consommer, etc. Et c'est presque encore plus présent aujourd'hui que quand j'ai écrit Shangri-La. Donc moi j'avais besoin d'évoquer des sujets, là en l'occurrence avec Carbone et Silicium, liés à l'effondrement, à la crise écologique, etc. Et c'est vrai que la SF c'est un peu le genre le plus intéressant là-dessus, quoi, parce que de manière assez frontale, tu fais croire que t'as un récit d'anticipation qui parle en fait du présent, quoi. Et y a vraiment le genre de la SF est le genre roi pour s'adonner à ce genre de réflexion, mais parce que encore une fois c'est le thème qui impulse le genre, de la même manière que en parlant de la mémoire et des récits mythologiques, c'était évident de partir avec Adrastée sur un récit qui se situe dans l'Antiquité. Quand tu cites Jean-Marc Jancovici, en l'occurrence il y a la chaîne Thinkerview qui une bonne dose de pessimisme quand tu enchaînes les vidéos, quoi. Mais de manière générale, effectivement, là il y a des penseurs, des économistes, des philosophes et tout, il y a une espèce de consensus à la fois assez intéressant et assez alarmiste sur la situation. Mais ce qui est bien, parce qu'on n'a jamais été aussi informé de quelque chose d'aussi peu palpable à l'échelle individuelle. Et donc voilà, j'en bouffe quotidiennement pour... ce qui était plus facile avec Shangri-La, c'est que ça se passe dans l'espace, dans les 100 prochaines années, voire plus. Tandis que là, ça va être dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, etc. C'est plus de l'anticipation que de la SF. C'est plus de l'anticipation. Alors c'est pour ça effectivement que ça se rapproche de Shangri-La, mais que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'y a pas du tout d'espace. On est dans quelque chose de beaucoup plus contemporain, un petit peu cyberpunk. Donc c'est vrai que moi je considère qu'on n'est pas tout à fait sur le même genre, parce que j'aurais pas refait une histoire dans l'espace, quoi. Enfin, par contre, j'ai besoin que d'un projet à l'autre, graphiquement, je me renouvelle un peu dans ce que je dessine. C'est pas tout ça. Je préfère travailler tout seul, mais j'ai besoin de travailler avec d'autres personnes. Ouais. Et en l'occurrence, parce que je préfère travailler tout seul, parce qu'il y a vraiment une vision complètement absolue. Enfin, c'est une œuvre d'auteur. Dans tous ces aspects, donc ça m'intéresse parce que je préfère raconter un truc qui,
qui me ressemble à 100%. Pour autant, et c'est pour ça que j'ai proposé ça après Shangri-La, parce que je pouvais pas repartir sur un one shot après Shangri-La, quoi. Ça m'avait trop coûté en énergie, en temps, etc. C'était horrible. Et puis c'est vraiment un travail d'asseste presque. Enfin, t'es tout seul dans ton local et tu s'ouvres tous les jours pour finir le livre. Et le travail collaboratif, c'est vraiment génial, ça débloque beaucoup de choses, ça apprend à lâcher un peu du lest, parce que du coup, moi, il y a certains scénarios que je fournis qui vont à des dessinateurs qui ont une réinterprétation de l'histoire, de telle sorte qu'on se retrouve avec, chaque auteur a fait un petit bout du chemin, on se retrouve avec un truc au milieu qui est différent, et ça, c'est intéressant. Donc c'est un exercice que je voulais me faire... auquel je voulais me confronter parce que ça me manquait et ça me manquait même, enfin, on apprend vachement sur son propre travail, sur la manière dont on écrit en côtoyant autant de dessinateurs et de scénaristes qui ont des visions différentes. Alors ça sera un one shot de 250 pages, donc c'est clairement mon projet le plus ambitieux en tout. Shangri-La c'était 220. 220. Ouais. On fait qu'augmenter. C'est vers l'infini au-delà, quoi. C'est stressant tout ça. Mais et clairement mon projet le plus ambitieux, parce que donc il a pour but de raconter l'histoire de deux androïdes dans un futur très proche, à un moment où l'intelligence artificielle, le transhumanisme, représente un peu le pinacle technologique humain et qui rentre en confrontation justement avec l'urgence climatique, les crises migratoires et plus généralement l'effondrement annoncé pour les prochaines décennies. Et c'est vraiment montré ce moment assez intéressant de l'humanité où tu es à la fois tout en haut mais au bord du précipice. Et ça me passionne, ça m'angoisse terriblement, quoi. Et ces deux robots sont vraiment les témoins un peu discrets de ces changements dans le monde, parce qu'ils vont, sur les 150 prochaines années, on va les voir vivre leur vie et être observateurs de ce qui change. Donc là, on va être un petit peu dans un parallèle avec Adrasté quand même. C'est un peu un voyage aussi sur plusieurs années, parce que Adrasté, c'est un peu l'inverse, il revient dans ses souvenirs. C'est un peu un voyage, sauf que là on va vraiment s'intéresser à leur relation, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux nés en captivité dans un laboratoire de la Silicon Valley. Il y en a un qui va réussir à s'enfuir, l'autre qui va être contraint à vivre cloisonné dans un laboratoire, et ils sont tous les deux épris de liberté, ils ne peuvent pas l'exprimer de la même manière, et on va voir comment il y a une espèce de, pas de rivalité, mais il y a un goût amer chez l'un qui va en vouloir à l'autre, et vraiment ça va être vraiment beaucoup sur leur relation également. D'accord, ok. D'accord. Et ça sortira en... Septembre 2020. Septembre 2020. C'est tout prêt encore. Ouais. Non, mais c'est vraiment prêt. Enfin, moi, il faut que je rentre en juin. Donc là, je suis vraiment sur la... Enfin, il reste plein de mois, mais... sur la fin de vie. Par voilà. Non, mais c'est bien cette osmose avec les moines copies. On y revient. C'est clair. Quand la TTM, là, tu vas être en rupture énergétique, bien entendu. Ouais. Mais en gros, non, et puis c'est important de le sortir maintenant, ce bouquin, parce que j'ai peur constamment qu'il devienne anachronique, en fait. Notamment sur l'intelligence artificielle, je suis obligé de changer beaucoup de dialogues au fur et à mesure, parce que ça change tout le temps, quoi. C'est vraiment chaud, cette anticipation aussi proche de notre réalité. Et même, enfin, tu vois, tous les auteurs en parlent, enfin, je sais pas si vous avez suivi certaines conférences, mais à un moment ou un autre, on retombe toujours là-dessus, quoi. Enfin, il y avait Philippe Bioui qui intervient sur l'interview, conférence hier notamment. Ah c'est vrai, ouais. Ah putain, j'ai pas vu. Il y a eu beaucoup de... Près du 3, tu pourras retrouver. Bien joué. L'instant promo est à part. L'instant promo, je me suis en fait. Tu continues à sortir sous le label 619. Oui. Donc là c'est pareil, tu restes fidèle, loyal au... Bah c'est même plus que ça, c'est que maintenant je suis marié au label 619. D'accord. À partir du moment où on est devenu indépendant, c'est-à-dire que l'année dernière, le label est sorti d'Ankama. Oui. Ron a proposé du coup à Guillaume Saint-Gelin, Florent Modou et moi-même de monter un studio créatif. Donc on a monté une boîte, le label 619. Et donc maintenant,
enfin mes bouquins sortent avec le label 619 parce que c'est moi maintenant aussi. Ouais, c'est chez toi quand même. Ouais, voilà, exactement. Ouais, ouais. Puis tu vas pouvoir garder cette liberté de format aussi. Alors c'est ça, parce que du coup je suis devenu maintenant mon propre directeur éditorial. Alors avec les autres, donc ils regardent mon travail, etc. Et chacun regarde le travail des autres. Mais en gros, c'est nous qui choisissons tout, qui validons nos propres scénarios, qui choisissons les formats, la pagination, la maquette, etc. Et puis là où ça nous a donné vachement de liberté aussi, c'est que du coup on a les droits d'adaptation audiovisuelle, on a les droits d'adaptation en langue étrangère, ce qui est un luxe pour la plupart des auteurs aujourd'hui. Et qui, alors ça demande beaucoup d'énergie, mais ça nous permet d'aller démarcher. Là cet été, il y en a deux d'entre nous qui sont allés à San Diego Comic Con, qui ont rencontré les éditeurs, qui ont rencontré les producteurs. D'un coup d'un seul, il y a le destin de chacun de nos livres qui est entre nos mains, mais de manière complète. Ouais, vous êtes absolument maître de votre création, ouais, quoi. Là, complètement. C'est vraiment super intéressant. C'est le rêve suprême de tout créateur, oui, je pense. Ouais. Pouvoir commander sur toute la chaîne. Complètement, ouais. Je conseillerais dernièrement la série The Dark Crystal sur Netflix, que je trouvais absolument magique et brillante de bout en bout, parce qu'il y avait, il y a un amour du travail à l'ancienne évident, parce qu'ils ont extrêmement bien compris qu'ils s'adressaient aux gens qui avaient vu l'original et pas des nouveaux arrivants, avec une thématique qui est plus adulte et puis un univers qui est extrêmement enrichi. En bande dessinée, je suis fan des gens qui ont à peu près mon âge et que je trouve bien plus talentueux, et en l'occurrence Timothée Le Boucher et ses deux derniers bouquins. On a bon, ouais. Voilà, entre Ce jour qui disparaissent et Le Patient. Ça fait très longtemps que je suis pas allé au cinéma, mais j'ai adoré Into the Spider-Verse de Sony. Pareil pour la proposition artistique. Alors, le scénario est un peu plus conventionnel parce que c'est une origin story, quoi. Mais pareil, ça pétait dans tous les sens. C'était de l'animation comme on le fait plus et comme Pixar n'autorise plus à le faire, quoi. D'un coup d'un seul, il y avait une proposition assez radicale. Mais le jeu vidéo que je conseillerais sans l'avoir fait, c'est Death Stranding. Qui n'est même pas encore sorti. Mais c'est une bombe. Vraiment incroyable. Niveau musique, alors c'est assez compliqué parce que j'ai arrêté d'écouter de la musique en travaillant. Tu faisais que ça avant ou Je faisais ça et je trouve que c'est très trompeur la musique en fait, parce que ça a tendance à te galvaniser des fois, enfin tu vois, t'es dans le mood machin, et alors que ce que tu fais pas forcément bien, et tu sais, à la fin de la journée, à la fin de journée, tu regardes, puis mais attends, c'est pas si que ça, exactement, tellement mieux sous la musique. Et du coup ce que j'ai dans les oreilles longueur de journée, c'est des podcasts ou des vidéos YouTube, effectivement, on parlait de Thinkerview, mais enfin voilà, d'autres trucs. Du coup la musique, c'est... Et comme je passe ma vie à travailler en ce moment, voilà. Si le matin, avant de commencer, pour me booster, j'écoute Birdie Nam Nam de Birdie Nam Nam, et la chanson, enfin la musique Abbess. Et voilà, c'est juste mon truc pour me lancer un peu. C'est le réveil. Voilà. La caféine musicale. Merci beaucoup, merci. Mathieu. Merci. Pour ton temps. C'est cool. Ouais. Et puis on se dit à très vite. Voilà. Sur le du troll. Après Carbon et Silicium. Après Carbon et Silicium.